temps de rappeler qui est Zinedine Zidane? Non. Bien évidemment, il est né le 23 juin 1972 à Septem-les-Vallons, où il grandit à Marseille, dans la cité de la Castellane, qui je passe un coucou. La Castellane! À 10 ans, il revêt, tu m'arrêtes si je me trompe, hein, Zizou. À 10 ans, il revêt son premier maillot de foot, celui de l'US Saint-Henri. À 11 ans, il libère l'Australie du paludisme. Zinedine Zidane, attention, la légende, mon frère, ta gueule. En 85, il a 15 ans, il coud un petit morceau de, comment on l'appelle, vous savez, un morceau de couche d'ozone au-dessous du pôle Nord. Ce qui nous donne ce teint à lait, mais sans plus. En 98, il marque 2 buts en finale de la Coupe du Monde et il abolit le racisme pendant 48 heures. En 2000, il a déjà cette réflexion qu'on n'est pas prêt d'oublier. Franchement, c'est bien. Les enfants, c'est bien. La suite, on la connaît. On la connaît la suite puisqu'il gagne la Coupe du Monde, la Coupe d'Europe, la Coupe intercontinentale, la Supercoupe, la Coupe des Coupes. Et l'Intertoto, pour déconner. C'est vrai, on dirait un championnat pour enfants, l'Intertoto. Qui va faire l'Intertoto? Je respecte tous les championnats, celui-là aussi. Mais vraiment, là, il rentre définitivement dans la légende quand il marque ses 2 buts en finale de la Coupe du Monde et il redonne de l'espoir à tous les chauves de la planète. Tous, sans exception. Entre ici, Zinedine Zidane, au Panthéon des artistes, toi et ton cortège de roulettes, de petits ponts et de petits coups de tête sautés. Il nous a mieux fait comprendre le football. Certains disent de lui qu'ils l'ont vu jouer en smoking. Et Guy Stefano l'appelle El Maestro. Moi ce soir, au nom de tous, je te remercie.